Stevie. Bonjour, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. Aujourd'hui, ce sera une vidéo à 80-75% rapivoire. Mais bien avant de s'introduire dans le rapivoire, petite information, musique en général. L'artiste ivoirien Vecho Lolas est désormais ceinture noire de karaté. On l'a appris il y a peu de temps seulement sur les réseaux sociaux. Franchement, je comprends mieux maintenant pourquoi lors de ses interviews, il veut frapper les gens. Sur les réseaux sociaux dans ses directs, il veut frapper les gens. Toujours en train de lancer des défis, il veut frapper des gens. Dès qu'on lui pose question, il dit il va frapper. Déjà, il préparait sa ceinture noire dans le secret. C'est pourquoi il est nerveux. Donc, Vecho Lolas, avec photo à l'appui, est désormais un dangereux karatéka. C'est lui qui va s'amuser. Le collègue artiste qui va s'amuser. Le fan sur les réseaux sociaux qui va l'insulter. Quand il va te croiser dans la rue, il va vouloir mettre les choses en pratique. Donc, Vecho, désormais, c'est une noire. Méfiez-vous, oh. On continue. Stevie. On poursuit maintenant avec une information relative à Yves Amand Desbordeaux. Je sais pas. Peu importe le style musical auquel tu es habitué, tu as déjà entendu son nom dans les chansons plus d'une fois, que ce soit Zouglou, que ce soit Coupé Décalé, que ce soit Variété et trop de choses. Présentement, Yves Amand Desbordeaux a quitté Paris pour Abidjan pour aller faire un petit truc, un petit festival intitulé La Nuit des Benguistes. Et bien évidemment, dans le cadre de la promotion de son événement, il a répondu ça et là aux questions, aux interviews des journalistes. Quand même, il y a quelque chose d'important qu'on retient. Il a tenu à mentionner le nom des artistes ivoiriens qui font mal en Europe présentement. Et le rap ivoire va prendre balle perdue dans cette affaire. Il a été très clair. En ce moment, les artistes ivoiriens qui marchent à Paris, il s'agit de Magic System. Bien évidemment, grâce avec leur nouvel album Envolé Zougloutique, où il y a le featuring avec Fally, où il y a trop de choses. Voilà, checkez sur les réseaux sociaux, sur les plateformes légales, vous allez voir le nouvel album de Magic System. Donc, Yves Amand Desbordeaux dit c'est ce qui gouverne présentement dans les nuits à Paris. À côté de cela aussi, il y a Yodé, Siro, Kérosène, José et Ariel Chéné. C'est bizarre, on n'a pas dit le nom de Safarel, quand bien même il y a Chéné à côté. On n'a pas dit le nom des mix, mais bon, c'est quelqu'un, un professionnel du milieu de la nuit qui parle. Voilà. En plus de ça, ce qui m'a choqué, ce qui a attiré mon attention, parce que les petits la font trop mal à Abidjan. Yves Amand Desbordeaux dit, pour être franc, les acteurs du rap ivoire ne cartonnent pas pour l'instant à Paris, à mon sens. C'est-à-dire qu'à la fin t'es mort, les petits rappeurs ont commencé à se lever pour dire, ouais, Coupé Décalé est tombé maintenant, c'est rap ivoire, c'est rap ivoire, c'est rap ivoire, c'est rap ivoire. On les a laissés quelques 8 mois. Marcher un peu sur Abidjan, le Coupé Décalé a repris le dessus. Mais, on dit dans la nuit abidjanaise, vous ne moussez pas. Les rappeurs, les morts des rap ivoires, les Didi B, les Elun, les MC One, les Defty, les Jojo, le Babu, la Bombe. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Abidjan, vous criez. Coupé Décalé un peu truc, vous dites vous êtes truc. Maintenant, on dit vous ne moussez pas à Paris. Mettez-vous au travail. Je sais qu'il y a Didi B qui est déjà en très forte position. Il y a MC One qui arrive sauvagement. Mais on dit pour le moment là, vous ne moussez pas, rap ivoire. Donc respectez le Coupé Décalé. De toute façon, Coupé Décalé respecte Zouglou. C'est quoi vous aussi les petits du rap ivoire, respectez Coupé Décalé. On veut plus jamais entendre que non, Arafat est mort, c'est nous on contrôle maintenant. Non, les doyens disent, dans la nuit parisienne, dans la nuit du mouvemental du showbiz, c'est Coupé Décalé. Rap ivoire, on parle pas de vous. Donc calmez-vous et puis travaillez doucement. Pour espérer un jour dépasser le Coupé Décalé. On n'a qu'à se respecter. On continue. Stevie. On poursuit maintenant en rap ivoire. C'est eux qui font bruit. Ha, vous vous rappelez encore du freestyle de MC One en présence de Black Eyed et Loon qui a suscité de nombreux attachements sur la toile. Jusqu'à les petits français, les petits wesh wesh, ils ont commencé à mettre leur bouche dedans. Ouais, il peut pas dormir, il n'y a qu'à dormir. Le petit wesh, il regardait la vidéo et puis il dit, mais c'est normal, c'est logique, ça c'est pas un freestyle. Si t'as pas sommeil, tu pourras pas dormir. Ils ont tellement attaché Loon que ça l'a tellement travaillé. Lui aussi, il a bossé un test et il allait à Vibe Radio. Non, qu'est-ce que je dis? Trace FM plutôt. Une semaine après, avec un dangereux freestyle. Bon, le freestyle qu'il a fait, pour certains, c'est pas un freestyle, c'est un extrait de son prochain son. Mais vu le contexte, vu la réponse par rapport à MC One, on a pris ça comme un freestyle parce que Il a chanté, bon, c'était pas trop ça, hein, c'était un truc basique, il l'invoquait encore, ouais, Kiff No Beat se repose, on parle plus de Kiff No Beat, on parle de toi et Loon. Mais il a terminé avec une punchline de dingue. Et Loon a fini par dire dans son animation que lui, il va faire quoi avec Freestyle? Déjà pour répondre aux moqueries vis-à-vis de MC One, que
Est-ce que vous avez déjà vu Didier Drogba jouer au Zébier? Pour ceux qui ne connaissent pas Zébier en Côte d'Ivoire, c'est un petit Maracana, football pas très professionnel, mais il y a du talent là-bas, il y a du freestyle, il y a du plaisir. Donc Elon dit, lui c'est un rappeur professionnel, il n'a rien à voir avec voilà ceux avec qui vous êtes en train de le comparer. C'est pourquoi il force pas dans freestyle, sinon le talent est là et trop de choses. Alors, par rapport à cette histoire d'humiliation de freestyle, les Lunkif no Beat, il y a deux camps qui se sont opposés. Certains ont soutenu Elun comme quoi c'est un doyen, il n'a pas voulu forcer. Freestyle, c'est pas forcément rap, c'est pas forcément important. Ce qui est faux pourtant, hein, mais on les a laissés. Puisque il y avait le vieux père Billy Billy dedans, on pouvait pas trop parler. Mais tout récemment, Defty aussi a apporté son soutien à Lunkif no Beat. Mais, il y a un autre clan. Les gens, quand il a fini de faire son freestyle, où il criait, non, bon, il fait pas freestyle. Est-ce que tu as déjà vu Drogba au Zébier? Il y a des gens aussi qui sont rentrés. Petit. Parce que, on a vu Elun publier sur Facebook. Il a mis son freestyle et puis il a mis fin des discussions. Jean, il s'est vengé. Alors qu'on dit, quelle bonne vengeance. MC One n'est plus là. Il est déjà parti. Tu viens te venger dans son dos. Devant qui tu te venges? Avec des gens même qui connaissent pas rap. Tu as mis une seule punchline. Ils ont commencé à crier. Vous voyez un peu. Et ça a suscité la colère de beaucoup de rappeurs ivoiriens qui, eux, sont habitués au freestyle et qui connaissent la valeur du freestyle dans le rap. C'est pas parce que tu maîtrises pas, tu vas dire que c'est pas important. C'est dans ce contexte-là qu'on a vu Jojo le barbu qui est sorti de nulle part pour dire foutaise. Parce que ça, quand on dit, quoi, quand on dit freestyle, c'est vrai, il peut faire des chansons, il peut faire des sons. Jojo dit, le prochain rappeur que lui va croiser dans une radio ou sur un plateau télé, il va l'appuyer en freestyle, il va l'humilier. C'est pas une question de non, moi je fais pas freestyle, nanani, nanani. Voilà, si tu maîtrises pas, faut dire que tu maîtrises pas. Donc, comprenez par là que Jojo le barbu menace Elun Kif no Beat. Prochainement, si vous vous croisez, il va te montrer que, ah, c'est pas payé, tu maîtrises pas un truc que tu vas nous piétiner, nous rendre plat, que ouais, les petits qui font freestyle, machin. Dans le même courant de pensée, Kaja aussi a fait une réaction. Lui, il a été très clair. Il s'est appuyé sur la dernière punchline de Elun Kif no Beat quand il avait dit Drogba joue pas au Zébier. Voilà, comme quoi Drogba c'est un trop. Il est trop professionnel. Il va faire quoi avec freestyle? Kaja lui a dit Drogba c'est vrai. C'est un footballeur professionnel. Il fait pas freestyle. Mais si on l'envoie au Zébier, il va confirmer. Et que quand MC One t'a attrapé, tu n'as pas pu confirmer. Pourtant, tu dis que tu es professionnel. Sinon, en temps normal, quand tu dis que tu es trop fort, quand tu dis que le talent déborde, quand tu dis que tu es sur d'autres planètes, quand on te met avec un petit, tu l'as pu. C'est pas une question de non, c'est un petit, moi, il fait pas freestyle. Donc, partout, les bombes à l'endroit de Elun Kif no Beat. Voilà. Et on dit, c'est vengé dans le dos de MC One. Donc, on attend de voir le rap, il voit actuellement, tout le monde est bandé, tout le monde. Franchement, j'ai vu, après l'épisode MC One, Black M, Elun, j'ai vu Defty et puis une fille qui fait du rap, voilà, sur une radio. Ils n'ont pas lésiné sur le freestyle. Dès qu'ils ont mis le beat et se sont chéquetés, eux-mêmes, ils étaient fous, ils ont commencé à crier dans le studio. C'est ça. C'est pas une question de non, je suis un ancien. Et puis, toujours quand ils font ce freestyle, Kif no Beat, c'est pas un Kif no Beat, c'est repose. Maintenant, vous parlez. Non, on parle plus de Kif no Beat, on parle de toi, Elun. Donc, Elun, présentement, attachement n'est pas fini. Malgré son freestyle, malgré sa punchline où il dit Drogba joue pas aux Zébier, les gens sont pas satisfaits. On dit MC One n'est plus là, il a fini de t'appuyer. Tu es rentré une semaine pour aller préparer des trucs et maintenant tu es venu nous embrouiller. Nous, on a déjà vu l'humiliation. Faut aller te jobber où tu veux, va te muscler où tu veux, va chercher les punches là où tu veux. Le petit t'a déjà appuyé. Mais faut reconnaître que actuellement les gars du rap ivoire, ils sont sur le qui-vive. Comme je l'ai dit dans ma première vidéo, un rappeur, quand on l'invite, il doit bombarder, il doit envoyer du feu. Fire. Donc, Elun, vraiment, les rappeurs sont à tes trousses. Tu as frustré plus d'un, tu t'es humilié. Et en voulant te justifier aussi, ils t'ont encore plus appuyé. Tout ça, c'est le rap ivoire. Rendez-vous quand même. Elun nous a donné pour le 13 août pour sa prochaine sortie. Prochaine sortie aussi, si ça n'a pas fait feu, là, c'est fini. Ils vont commencer à mettre sa carrière en doute. Elun Kif no Beat, toute la nation te suit. Tout le rap ivoire te suit. Tous les voisins, les amoureux de la musique ivoirienne te suivent. On attend de voir la suite de ces événements. On continue. Trans-TV. Terminé pour cette petite vidéo. Franchement, à bientôt sur notre chaîne pour de prochaines, pour de nouvelles éditions. Au revoir.